Salut les matelots, bienvenue sur la chaîne du Capitaine Cook. Aujourd'hui, dégustation d'une blanche, la blanche de Charleroi, que je n'avais jamais goûtée. Donc c'est une première pour moi. En 33 centilitres. C'est parti. On va voir ce que ça donne. Donc elle a assez trouble, une couleur jaune pâle comme ça, assez caractéristique de la blanche, si on est en plein soleil, mais ouais, au nez, on sent vraiment bien le froment. Ça s'annonce vraiment être une blanche, au nez en tout cas. On a cette amertume assez caractérisée de la blanche, qui reste bien en bouche. Donc on est sur 5%. Et elle donne vraiment vraiment l'impression d'avoir de la matière en bouche. Donc c'est assez intéressant. Au niveau du pétillant, elle est aussi. Fait, il y a pas mal de. Au début, on a toutes ces petites mousses qui. Toutes ces petites bulles qui font la mousse en bouche. Donc c'est assez agréable. Plutôt pas mal. Ça me plaît assez bien. Bon, après, on reste dans quelque chose d'assez classique d'un point de vue de la recette. Donc c'est pas ma bière préférée, mais plutôt pas mal. Je donnerai un petit 7,5. Mais je dirais que pour une blanche, elle n'est pas assez sur le côté rafraîchissant pour moi. Bien qu'elle est. C'est une blanche, hein, il n'y a pas de doute, mais moi j'aime bien les blanches qui rafraîchissent un peu plus, quoi. Donc voilà pour cette dégustation. N'hésitez pas à liker, à partager. Dites-moi si vous avez déjà goûté, ce que vous en pensez. Et à bientôt. Ciao, ciao. À plus.